وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Abbas et d'autres, et parmi les tabi'in, et Ayyub al-Sikhtiyani, Ibn Sirin, rahimahumullah, ils ont mis en garde de tendre l'oreille aux gens de l'innovation, même si c'est pour lire un hadith ou lire le Coran. Quand on leur dit pourquoi, ils disent « Mon cœur n'est pas dans mes mains, ce n'est pas moi qui dirige mon cœur. J'ai peur qu'ils mettent dans mon cœur une tentation et je ne puisse pas après cela l'évacuer et purifier mon cœur de cette tentation et de cet égarement. » Alors je finirai par un conseil. Serviteur d'Allah, sache reconnaître les gens de la sunna, aime-les pour Allah, reste avec eux, prends ta religion d'eux et délaisse tous les autres. N'écoute personne d'autre pour être sûr d'être sur la bonne voie et de ne pas mettre ta religion en danger, surtout, surtout sur les réseaux sociaux. Tout ignorant aujourd'hui parle, débat, écoute, regarde des vidéos. Après, il est rempli de maladies, il vient nous déverser toutes ces maladies comme du vomi devant nous, il nous dit « débrouille-toi avec ça, essaie de me trouver des réponses ». Non, c'est toi qui t'es rendu malade en ne faisant pas ce qu'il faut. Prends d'abord les conseils qu'Allah t'a donnés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné, et que les salafs t'ont laissé. Bi'idhnillah, tu seras préservé de l'égarement.